Hello, boys and girls. Korobiyare, tumamenewu, korobiyare. Hello boys and girls, it's Grace and today I'm gonna be doing a tag. Comment me tuer. We have 8 questions about things that really like upset you most, thing that you hate. And the combo of all those things is the recipe to kill you, okay? I'm gonna do the 4 first questions in French and the last 4 in English. Alors ça y est, on est en français. Le tag du jour est assez inédit, je pense pas que je l'aurais fait si ce n'avait pas été tagué par Genuine Girl, une fille absolument adorable que je suis depuis un bon moment. J'adore ses tutos make-up parce qu'elle est très pédagogue. Ses explications sont à la portée de tout le monde, hein, notamment des débutants comme moi, pour ce qui concerne le maquillage. Je l'aurais pas fait si c'était pas elle qui m'avait tagué, simplement parce que j'essaie autant que faire se peut de laisser vraiment de côté toutes les choses négatives, de ne pas m'apesantir sur ce qui m'énerve, sur ce que j'aime pas. Mais je me suis dit que ce serait amusant de le faire, à condition que je trouve un moyen drôle de le faire aussi. Hein, parce que si c'était juste pour énumérer les questions comme ça et répondre, non, ça m'amuse pas. Donc voilà. Comme ce que je préfère entre tous, c'est vraiment le montage. J'espère que je vais réussir à monter ça comme je le veux. Question numéro 1, quel est le plat que tu détestes le plus? Il n'y a pas à proprement parler un plat que je déteste le plus. Ce que je peux dire quand même, c'est que je déteste les huîtres, je déteste les escargots, je déteste tout ce qui est baveux. Bang, bang. Quelle est la personne que tu détestes le plus? La personne que je détestais le plus est morte depuis quelques années. Donc en fait, je n'ai plus personne que je déteste. Je croise les doigts vraiment pour que ça m'arrive plus jamais parce que c'est vraiment tellement... inutile. Bang, bang. Question numéro 3, quelle est la musique que tu détestes le plus? Ah, c'est vraiment genre insupportable. Même 5 minutes, c'est pas possible, c'est horrible, je déteste. Bang, bang. Question numéro 4, quelle est la situation que tu détestes le plus? Il y en a tellement, je saurais pas quoi choisir. Bah t'as qu'à faire plouf, plouf, plouf. Ok, d'accord, et toi t'as qu'à grandir un petit peu. Les gens qui lavent leur linge sale en public, je déteste. Je suis invitée à dîner chez eux et je sais pas, au milieu du dîner, c'est parti. Ah ouais, t'as vu la dernière fois t'as fait ci? Ah oui, et toi t'as fait ça? Et oui, et toi t'as fait ci? Et toi, nanana. Les gens qui se disputent, qui se battent, je déteste. Et comble de tout, comme si ça ne suffisait pas, me prennent à témoin, quoi. Ah ouais, tu te souviens, Grace? Ouais, la dernière fois, t'as vu ce qu'il a fait? Non, mais attends, Grace, c'était là. Quand elle m'a fait remarquer un truc qui datait genre d'il y a 5 ans, quoi. Elle avait pas oublié. T'étais là, tu te souviens? Ils veulent me faire rentrer dans une dispute dans laquelle je n'ai rien à faire. Je déteste. Bang, bang. Donc la partie du tag en français s'arrête ici. Question number 5. What is the smell that you hate most? Someone who smells like, you know, this sweat. It's just awful. What behavior do you hate most? I hate rude people. The gossip, the scandals. Bang, bang. Question number 7. What dress do you hate the most? Okay. I don't know how you call it in English. But it's French, we call it a body. It's not that I hate it, it's just that it's so uncomfortable. Even if they have like beautiful, astonished one, I don't think I could buy it anymore because there's too many surprises. Bang, bang. Last question! What location do you hate most? This question is probably the toughest one, I really don't know. I mean, living in the small place with a lot of people, this really could be a nightmare. Bang, bang. Si j'ai pas le même t-shirt que tout à l'heure, c'est parce que je me suis changée entre deux. Je me suis rendu compte que j'avais oublié de taguer. Donc, je vais taguer deux personnes, je vais taguer deux garçons, je vais taguer un Martiniquais au Japon. Elios, je te tag.
J'adorerais que tu puisses faire une partie du tag en français et une partie du tag en japonais. Si on pouvait avoir des sous-titres, ce serait génial, mais bon, voilà. Ça, c'est juste ma requête un peu particulière, mais t'es pas obligé, hein. Tu peux faire juste le tag en français, ou alors ne pas le faire du tout, c'est comme tu veux. Tagging a second guy, and I guess you know who you are. Jonas Lusa Luna? Oh, I'm sorry, dude, if I misspell your name. Okay, so, Jonas, you were tagged. Yeah! So, Jonas have a channel called Lingala Institute. I really hope you're gonna do this tag and do half of it in English and half of it in Lingala for us, okay? That's it for the tag. I really hope you enjoy it. If you like this tag, thumbs it up. If you're not yet a subscriber, please subscribe. You say goodbye with me? Bye. Bye.